Rien. Et là, regarde en haut, c'est tous tes dossiers criminels qui vont être apparus. Oh, bah, y en a un paquet, dis donc. Ah, bah, je vois qu'en 4ème B, t'as pas justifié un retard. Ah, c'est quand j'ai volé dans une épicerie. Histoire vraie, hein. J'ai volé dans une épicerie, je me suis fait choper. Il a culpabilisé, il a plus jamais rien fait de criminel. C'est vraiment une merde. Et qu'est-ce que t'as volé, Lac? Je sais pas, un goûter, genre des Kinder ou un truc comme ça. Il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin, et toi, t'en es, tu l'es pas, donc pourquoi tu voles? Au collège, j'étais pas youtubeur. Bonne réponse. Fallait vendre de la bœuf comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Terra, accélère. Je vais mettre les boosters à fond. Oh, mettez-moi toute la purée dans le quantum là. Allez go. Oh la planète, la grosse boule. Oh là, on rentre dans l'atmosphère là, dis donc. Ça en général dans les films d'espace, c'est quand ça commence à être la merde. Quoi? Oh la vache. Mais c'est quoi cette merde? Oh putain, il a ouvert la fenêtre. Ah. Oh non. T'as poussé dans le quantum. Clairement, je ressemble à quoi, moi? Je suis bien dodu quand même. Hein. Moi, j'ai fait un chauve triste. Ouais, je ressemble bien à ça avec mes joues rondes, là. Je suis rosé quand même, on va pas se le cacher. Hein. Salut tout le monde, c'est Joyka. Aujourd'hui, on va faire un remix avec des bouts de bois. Comme Star Citizen est un jeu plutôt complexe, on sera aidé par Nathan tout au long de la vidéo. Nathan vient d'arriver et moi j'ai une question pour lui. Alors, il va pouvoir nous apprendre à jouer. Hello. Bonjour. Bonjour Nathan. Yes, on se rencontre enfin. Oui. En tout cas, tu m'as l'air très sympathique. Et allez, tout le monde dit bonjour à Nathan. Bonjour. Il t'aime déjà en fait. Ce qui est rare puisqu'on a une communauté de fils de pute. Il y a 9000 viewers sur cette jolie petite discussion. Salut. Vous avez bien choisi votre soir, vous, hein? C'est toujours les soirs où on démarre pas le jeu qui a le plus de monde. Non, c'est mais c'est indécent. Mais c'est parce que ils ont pas leurs histoires de sexe. Ah oui, c'est vrai. Radio sexe. Je suis désolé, il y a pas beaucoup de sexe. Nathan, c'est quand la dernière fois que t'as baisé, alors? Raconte-nous un peu une anecdote. C'était en avril. Oh putain. Et alors ouais. Radio sexe. Et j'ai bouffé le cul et ma chie dessus. Ouais, c'est salope. Eh, ça fait quoi si je saute dans l'espace? Bah, tu voles normalement, en apesanteur, non? Calogero a dit que normalement tu devais être en apesanteur. Attends, j'arrive. Sors, regarde, je suis au-dessus de toi. Attends, mais comment tu j'arrive voles? J'arrive pas à descendre. Je sais pas comment on descend. Et par contre, l'arme, elle a été livrée quelque part ou je l'ai instantanément sur moi ou pas? Ouais, tu l'as sur toi, il faut juste l'équiper, t'appuies sur F1. Équipette actuellement. Hein. Équipette, bah, c'est bon, tu l'as sur toi. Tu fais F3, tu devrais l'avoir dans le dos. Je la vois dans le dos. Comment on l'a dans les mains? Attends, Link, moi il me reste perso 2137 pesos. Alors moi, 2870. Alors, j'ai vu un magasin de vêtements pas très loin. On va vraiment s'acheter des vêtements, yes. Alors là, c'est les équipements pour aller cosmonauter au loin. Ça coûte combien? Putain, 3200, c'est pas dans mon budget. 4000. C'est laquelle votre moins cher? Bon, ok, alors admettons, j'achète, il me reste combien? 1137. Et ben, j'ai dans le cul. Eh, tu me prêtes de l'argent? Non, désolé, je peux pas, je suis en galère en ce moment. Link a configuré son jeu afin que son personnage reproduise ce qu'il fait avec sa tête devant sa webcam. Le problème, c'est que ça marche pas. Du coup, j'ai eu une petite idée. Vas-y, tire la langue. Ah, je la tire bien, mais là, j'essaye genre de faire un gros bisou. Ah, ça marche un peu. Tiens, cligne des yeux. Voilà, maintenant, j'ai été suffisamment content de t'imaginer en train de faire des grimaces alors que ça marche pas. C'est vrai? Oh, le fils de pute! Oh, l'enfoiré! Oh non, je suis tellement humilié en fait. Ça a absolument rien fait, j'étais en train de me gêner derrière ton écran, t'as fait. C'est le gros bébé là. Ah, y'a quelqu'un qui a dit. Ça, c'est une truie bien dressée. Truie. On n'oublie pas que Link fait la taille et le poids d'une truie adulte. Ok, j'ai un RSI Aurora. Moi, je vais prendre ma Mustang Alpha. C'est le vaisseau de base. Oui, bah c'est, on t'a pas demandé de faire des commentaires, Nathan. Bah c'est de la merde, voilà. Quel est le vaisseau le plus cher? Ah le bourgeois. Quel est le votre vaisseau le plus cher? Le plus impressionnant. J'aimerais mettre 1000 personnes dedans et faire une grande fête. Je veux du champagne, je veux des petits fours, je veux l'énorme vaisseau. Hein. Je veux que les gens se disent, est-ce que je suis sur un vaisseau ou sur une planète là? Cette planète bouge, mais je ne comprends pas. Vu que moi je suis beaucoup plus débrouillard, c'est bon, j'ai allumé le vaisseau là, j'ai mis la clé dans le contact. Maintenant je vais essayer de décoller là.
Elle est où, elle portière? C'est pas une bécane comme je les connais, ça. Qu'est-ce alors... que c'est que ça, là? Ça s'ouvre où, là? Ouvrez! En fait, j'ai un péché mignon. Quand je vais dans ma salle de bain, je mets tutos sur cette zone de JDG. C'est vrai? Oui, donc je sais à peu près comment diriger le vaisseau, mais... Ouais, bah reste qu'il a dit qu'il allait faire un tuto juste pour toi parce qu'on était cons, donc Il va dire, salut à tous les débilos, alors... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Y'a un mec derrière... Mais y'a un mec dans mon vaisseau! Mais qu'est-ce qu'il fait là, Ant-Man? Mais y'a pas la place pour nous deux, là, sors! Allez, zou! Mais il va sortir, ce con! Mais il va se coucher dans ma couchette! Bouge plus. Ah oh, putain, mais t'es un malade de mais passer tout près comme ça! C'est toi qui es malade, j'ai freiné, moi! Mec, je suis à zéro, là. Je suis stationnaire. Moi, je suis stationnaire. Je bouge plus du tout, là. Je te vois faire de la poussée, je t'entends. Ah, hey, oui. Pirate! J'ouvre la canopée. Oh, le bâtard! Ok, bah regarde, regarde-moi. Karma. Ok, bon bah y a autant de fils de pute dans l'espace que sur Terre. Hein. Pourquoi y a des gens qui me font des doigts d'honneur dans le jeu? C'est vrai, parce que t'es un putain de sale streamer. Ah. Ils te détestent. Pour eux, Terra, tu es la pire des races. Bah tu sais quoi, ils m'empêcheront pas de prendre... Allez hop, à la framboise. C'est la rançon de la gloire. Hein. Maintenant, ça se joue entre moi et mon cholestérol. Ouais, c'est bon, mais c'est bon. Il y a quoi ton yop? À la framboise. Oui. Attends, est-ce que seulement il y a de la framboise dedans? Ah, purée de framboise, 3%. Oh, c'est pas mal déjà. C'est un miracle qu'il y en a un peu. Ça aurait pu être moins. Il y a plus de porc que de framboise dans mon yop. Un yop au porc. Est-ce que tu penses que les pirates de l'espace, ils ont des bandanas et des cache-œil? Certainement. Si vous pouvez montrer des beaux paysages, Terracide adore ça. Petite anecdote, moi dans les jeux vidéo, j'adore quand il y a des très beaux paysages et que c'est ensoleillé et verdoyant. Est-ce qu'il y a une planète ensoleillée, verdoyante, avec de l'eau, si possible, avec une mer? Oui, c'est vrai, il a raison. S'il peut y avoir la mer aussi. Bonjour Louis. Bonjour. Salut Louis. C'est toi le colonel de Nathan? Non, pas du tout. Oh, nous n'avons que les sous-fifres pour travailler. Oh, le gros vaisseau. Waouh. Oh putain, eh, je peux te dire que Louis, il a une CB, mon gars, elle est en or. Fais voir la golden CB, là. Avec une gold. De toute façon, ce jeu, il est clairement pour montrer sa bite avec ses vaisseaux, hein. Y a pas d'autre chose. Non. Oh, regarde comment il a dit non. Il a dit non en train de dérouler son sexe sur 5 mètres. Non. Quoi? Mais c'est quoi ce vaisseau? C'est des gigantesques! T'as dépensé combien? Et t'as pas vu l'intérieur, mec, on a chacun une couchette. Attends, normalement c'est pas ce vaisseau-là que j'ai. Ça en est une autre version, mais il doit. Sa carte est bloquée et il peut pas. C'est combien de mois de RSA pour avoir ce vaisseau? Là-bas, il y a des couchettes. Eh, je peux prendre le lit du haut? Oh putain, vite, avant qu'il arrive. Ah le bâtard! Hunter, copilote site. Oh! Oh, mais on est en 2021 ou quoi? Le mec, y'a pas de notion du temps, c'est dans 2 ans. Oh, t'as un ascenseur privé? Mais oui, c'est incroyable ça, mais... Oh mec, mais t'as quel âge, Louis? À ton âge, avoir tout ça? T'as 21 ans et t'es déjà chef du vaisseau et tout, enfin c'est... Moi, à ton âge, je mangeais encore mes crottes de nez. Mais c'est pas une planète, ça? C'est une station spatiale. Où sont les arbres et où sont les animaux? Où est la mer? Où sont les lapins? Vous n'avez rien compris. Link serveur full. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est pas vrai. Non, non, regarde, tu veux voir comment on est? On est des streamers, regarde. Salut tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut déco, SVP? T'aimes nos vidéos, déconnecte-toi les serveurs. Merde, les frérots. Tu vas voir, c'est insane. Alors la Terra va recliquer, en fait, il y aura 10 places de libre. Ouais, sauf qu'il va devoir quand même attendre 2 minutes le temps que le serveur prenne bien en compte que la personne s'est déco. Ah ok, ouais. Désolé. Peut-être qu'il devrait peut-être sortir sa carte bleue aussi pour... Putain. Pour sortir sa CV combien de fois dans le jeu pour jouer? Putain, elle est brûlante, je suis déjà dans le rouge, putain, j'ai dépensé 20 000 balles depuis que là. J'ai un SMS de mon comptable, il m'a dit, tu fais quoi gros? Tu fais quoi gros? Je vois des noms chelous de vaisseaux. Et... Ah, 41 sur 50, merci Link. Ah, bah là, après tout, notre métier consiste à influencer les gens. Hein. C'est vrai que vous êtes des... Je n'ai fait que mon métier. On dirait qu'il sort d'une maison en flamme et que les gens l'applaudissent. Je n'ai fait que mon métier. Je n'ai qu'influencer les gens. Ah, c'est vrai que les quantums sont bien foutus, ça, on peut accorder ça au jeu. Oui, c'est quoi un quantum? Il a dit ça comme s'il sortait d'un PMU. Ah, je dirais que les quantums sont bien foutus, ça. Ah, y a pas à dire. Et puis aujourd'hui, regarde-moi, il y a un beau quantum aujourd'hui. Le quantum, c'est le voyage. Désolé, le mot quantum me fait rire. Alors là, ce matin, on devrait avoir un mot quantum. Ça se coupera un peu à midi. Mais... Hey, t'as le seum, regarde, je monte dans le siège du pilote. C'est vrai. Hop, c'est moi qui prends. Terra, accélère. Je vais mettre les boosters à fond. Alors, on est en haut du haut des quantum, Thomas, là. Qu'est-ce qu'il fout? Alors... Il a coupé le vaisseau, du coup, il nous a sorti le quantum. Où est-ce qu'on est? Ah bah, une chose est sûre, on n'est plus dans le quantum. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, moi, je vois rien autour. Ok, je relance le quantum. C'est parti, Y a pas de bouton quantum. Bon bah ok, je me lève du siège, mais bon. Alors. Soit tu prends pas beaucoup ta douche, soit tu regardes pas les vidéos du JDG pendant que tu prends ta douche. Il a pas parlé de quantum. Ah, attends,
Oh, t'as ouvert un truc en bas. C'est bon, je vais dans le... Oh, mettez-moi toute la purée dans le quantum, là. Allez, go. Par contre, je peux pas bouger. Attention. Wouah, le quantum. Alors là, c'est le kiff. On doit aller à plus de 100 km/h, là. Au moins, non? La vitesse de la lumière, c'est 125 km/h. Donc on doit être au moins à 130, là. Eh, j'ai une question. Est-ce que quand on est dans le quantum... C'est vraiment drôle comme mot. Est-ce qu'on peut ouvrir sa canopée dans le quantum? Comme dans les vieilles voitures, où faut tourner la manivelle pour baisser la vitre. Est-ce que je peux ouvrir ma tête dans le quantum? Parce que j'ai envie de fumer. Oh putain, il a ouvert la fenêtre. Terra, il a ouvert la fenêtre. Viens prendre un peu l'air frais. Viens prendre l'air frais un peu là. Mets-toi devant. Mais vous êtes quoi devant? T'arrêtes, c'est... Oh non! Arrêtez le vaisseau! Je t'ai poussé dans le quantum! Les gars! Je suis sorti du quantum! T'as marché dans le quantum! J'ai mis les pieds dans le quantum! J'en ai partout! Dans ma tête, cette blague était beaucoup plus drôle! En vrai, ça doit te mettre la peau des joues sur les épaules de te mettre la gueule dans le quantum! Non, mais c'est parce que Thomas il m'a poussé dans le quantum. Mais imagine dans la vraie vie avec un inconscient et qui pousse son pote dans le quantum. Ça m'étonne que le jeu ils aient pas donné 30 minutes d'oxygène payante. Satan et quantum, il a tordu l'espace-temps, ça marche plus du tout. Ouais, il y a du monde autour là. Ouais, mais ils peuvent pas nous suivre, ils savent pas où on va. Ouais, mais on peut pas être plusieurs à emprunter le quantum. Ouais, s'il y a des bouchons dans le quantum. Ça roule mal dans le quantum entre 13h et 15h. Si c'est le quantum à 19h, ça, je te dis pas la galère. On va se faire arrêter par les gilets jaunes dans le quantum là. Il faut un barbecue sur le quantum. Les gilets jaunes de l'espace. Ils ont pas assez de quoi payer l'oxygène. Est-ce que si je tire une balle en face de moi dans le quantum, la balle va pas assez vite et du coup je me la reprends dans le pare-brise? Oh vas-y, viens, on essaie. Ah. Attendez, est-ce que vous aussi vous avez eu un crash? T'as dû tirer dans le quantum, je crois que je me suis pris un ricochet. Mais non, la planète. Bah attends, c'est pas grave, non, je vais revenir dans le vaisseau là, non? Là, le temps que tu te déco, on a fait 20 millions de kilomètres. T'as vraiment aucune notion de physique, on arrive, on a 8 millions de kilomètres. T'as 8 millions de kilomètres, ça fait beaucoup, hein. Et je me plains quand on va à Los Angeles parce que je trouve ça trop long. Bah 8 millions de kilomètres, je peux te dire que je dirais plus rien maintenant. Bon, pour être tout à fait honnête, je crois que j'ai une moyenne de livraison de 2 à 3 par semaine maximum. Ah, je dois être un peu. Toi, tu dois être un peu plus quand même. Hein. Mais il y a une règle, tu comptes tes bourrelets, c'est la limite de commandes par semaine. Regarde, moi j'en ai 1, 2, 3. Je peux pas commander plus de 3 fois par semaine, c'est une règle. C'est la règle des bourrelets. Ah ouais, mais si t'as pas de bourrelets, tu peux pas commander, ça marche pas ma règle. Ouais, c'était l'inverse en fait. Et plus t'as de bourrelets, plus tu peux commander. Est-ce que si on a un très gros bourrelet, on peut commander une grosse commande? Et qu'est-ce qu'il fout dans la douche lui? Ah, occupé. Pardon. Oh, mais t'as le crâne de Megamind. Arrête. Non. Oh la vache, il est super grand ton crâne. T'es un bâtard. Dans la vraie vie on m'appelle Choupi. Et dans le jeu on m'appelle Megamind. Mais c'est vrai que t'as la calvitie de DK78. C'est vrai? Bah ouais, vous avez la même calvasse. Oh bah ça va, il est sympa. Et je me disais les gars, vous commandez jamais chinois? Si. Non, je commande pas chinois, je commande asiatique. Moi je crois qu'ils ont quand même un ingrédient secret qui me fout la chiasse. Pour être tout à fait honnête avec vous. Non, ça, c'est parce que tu commandes à Vincennes. Tu vas aller voir. Excusez-moi, c'est... Qu'est-ce que vous mettez dans vos plats Qu'est-ce que vous mettez dans vos nems? C'est fascinant. Il y a forcément un truc, hein. Putain, il y a un truc qui s'appelle le paradis oriental. Et en plein milieu de l'âge, il y a une grosse merguez. Trop moche. Au délice de Paris. Et le premier truc, c'est menu sandwich kebab. Mais attends, mais le truc oriental, je croyais que tu parlais dans le jeu. Non, il y a pas de merguez dans cette histoire. Je croyais que sur la map, il y avait une planète arabe avec des merguez. Ouais, t'es jamais sur la planète couscous? Des grosses merguez partout. T'as vu mon tweet? Oui. Qui donne une explication, quoi. Comment expliques-tu ça? Réponds-nous, fais un tuto. Ah putain, oui, JDG qui a fait... D'accord, vous pouvez me raconter? Non, on va pas te raconter, t'es hors délire. Tu sauras jamais. Attends, ça me rappelle le... Pourquoi tu rigoles, t'étais pas là? Pourquoi y'a pas de nan, moi, dans les Grecs? C'est quoi un nan? Ouais, apparemment. Il vient de dire c'est quoi un nan? Le mec, il peut expliquer exactement ce qu'il y a dans la matière et dans le quantum, mais il sait pas ce que c'est qu'un nan. Revois tes priorités, mon garçon. Hein. Faut dire qu'il existe vraiment, hein. Retire la tête des jeux vidéo. Pain maison? Oh, j'imagine que c'est un pain maison. Je te vois trop arrogant devant le mec qui le fait. Oui, moi j'imagine qu'il est maison votre truc, ah oui. Oh la planète, la grosse boule. Enfin arrivée. Oh, elle est pas verte, doyante du tout. Ah ouais, oh le bad. Man, j'espère tu m'as arnaqué, non? Oh, on fonce vers la Terre.
Ok. Non, c'est bon. J'ai eu peur pendant un moment. On est en vitesse lumière sur l'ordville. Tiens donc. Oh là, on rentre dans l'atmosphère là, dis donc. Oh sur putain les ça en général dans les films d'espace, c'est quand ça commence à être la merde. Non, c'est dans... Si, j'ai vu des films. Par contre, il a raison, généralement, quand on rentre dans l'atmosphère, il y a toujours le vaisseau qui se dégringole un petit peu là. Il y a des pièces qui se barrent. Et le mec, alors, il fait comme ça, il transpire, il fait. Il arrive à, tout doucement à appuyer sur le bouton. C'est vrai qu'il nous suit vachement de près quand même, le mec. Mais non, il nous escorte, les gars, hein, pas de soucis. Non. Parce qu'il nous a quand même tiré des missiles. Ouais, au début, il a voulu, genre, c'était. Ah, mais regarde, calme. Ouvre la porte à droite, je vais lui signer une dédicace. Il va nous laisser tranquille. Ouvre la portière. Ah, t'as vu, il fait des feux d'artifice. Oh, regardez ça, c'est super comme spectacle. Il y a un artiste. Je lui en balance aussi. Oh, j'ai de l'amour dans l'espace, quoi, c'est magnifique. C'est beau, tu lui envoies tes fluides. Putain, t'imagines une armée de vaisseaux. Je suis en train de le voir. Je vois nous, dans un vaisseau à 10 000 dollars. Ah, bah il est parti, là. Non, il est resté derrière. Non, tu vois, il respecte une certaine distance. Il sait où est sa place. 3 heures pour voir un vieux satellite cassé. Ouais, mais là, regarde, on est sur une planète, mec. Là, on dirait presque une belle forêt. Pas du tout. Presque. Là-bas, là où je vais, attends. On dirait vraiment la forêt de Californie quand elle a commencé à brûler. Bah moi, je pense que je vais aller au satellite. Je vais aller toucher un peu la carlingue. Attends, il y a peut-être du loot là, viens, on y va. Viens, on va looter. Oh, regardez, en l'air, il y a un autre vaisseau qui... Regarde, il essaie de nous distraire avec d'autres informations. Non, coucou les abonnés. Ouais, il se la raconte, ils conduisent bien. Ouais, il est beau son vaisseau, il est sympa. Ouais. Ah, il y en a un qui se pose là. Coucou. Ah, il nous invite à rentrer. Baisse un peu. Plus bas, Michel, là. On veut rentrer. J'ai envie de tirer avec cette arme sur des gens. Ça va, Terra, tu t'amuses bien. On dirait un gamin, fête foraine. Attends, moi j'aimerais bien quand même aller looter ce satellite. Bah aller looter votre satellite. Regarde, personne n'est jamais allé ici à part nous parce que c'est tous des tapettes. Regarde. Allez la bête, laissez faire y le a rien dedans. Quoi? Oh la vache. Mais c'est quoi cette merde? 120 mètres de long. Attends, moi c'est pas ça la question. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Je veux monter dedans. Je veux voir l'intérieur. Ouvre-moi ta trappe. Bah, ils sont là les viewers qui montrent leur kiki. Hein, qui montrent leur kiki. Ah mais quand t'as un beau kiki comme ça, tu le montres. Hein. Faut qu'il ouvre là. Ouvre-nous ton kiki là. Ouvre l'urètre qu'on rentre dans ton kiki. Ah là, il y a l'ascenseur. C'est un vaisseau de Star Trek. Genre, il est immense. Et bien... Essaye d'ouvrir la trappe, s'il te plaît. Attends. Bah, on va se balader d'abord et ensuite on verra. Hein. Tu peux regarder le stream si tu veux et puis lâche un sub. Ouais, tu prêtes tes costumes, frère. Ils sont beaux tes costumes, frère. Ah, tu prêtes. Les lits sont de bien meilleure qualité que dans ton vaisseau, désolé. Non offense, hein, mais. Non offense, mais j'aurais préféré faire mon live dans ce vaisseau. C'est là qu'on fait la différence entre les speakers et les millionnaires. Tu vois, lui il a un bureau au moins. Lui il travaille. Un businessman. Est-ce que tu crois que c'est un self-made man qui a acheté ce vaisseau à la sueur de son travail sur le jeu ou est-ce qu'il a juste sorti la CV? Est-ce qu'il a fait la black card? Bon, en vrai, c'est tellement grand, tu peux être un passager. Clandestin, easy, hein. Tu vas dans la chambre du capitaine, tu dors. Et Thomas, on se cache, on fait plus de bruit en tant qu'il redémarre. Oh, il saura jamais.